On se retrouve encore avec des J. Coucou. Tu passes plus de temps sur ma chaîne que sur la tienne. Je crois. Ouais. Donc aujourd'hui, DJ a décidé de me maquiller. Ça va être super drôle. Je sais pas si je peux vraiment avoir autant confiance que je ne le pense. T'as confiance ? Un peu. La seule personne que j'ai vraiment maquillée, c'était Laura. Oui, mais elle avait quel âge, 5 ans ? Bah voilà. Je sais pas si c'est censé me rassurer. Non, je l'ai fait il y a de ça quelques années quand même. Il y a peut-être, elle avait peut-être 12-13 ans. C'était pas... Voilà. Ça fait peur. Donc voilà, je vais juste faire une petite liste avec les étapes que, dans l'ordre que moi je l'ai fait pour qu'elle n'oublie rien. Mais je ne vais lui donner aucune autre info. On est d'accord. D'accord. Eh ben, allez. On y va ? C'est parti. Bon, alors tu as mis d'abord la base. Qu'est-ce que t'as en base ? C'est quoi ça ? Bon, ça c'est pour fixer. Ça commence fort. Mais elle m'a mis 50 produits. Bah voilà, on y est. Bah ouais. Alors, par contre, la quantité que tu mets, j'en ai aucune idée. Je vais mettre deux petites pompes, je sais pas. Je vais peut-être me tourner, ça aura peut-être plus facile. Ça va, oh, j'ai tellement peur de mal faire. Bon, ça va, là-bas, ça craint pas grand-chose. Non, là-bas, ça craint rien. Non, je suis sûre que tu la mets pas de la même façon que moi, je la mets là-bas. Bah non, moi, je suis un peu moins douce. Je suis un peu t'es moins douce. Faut-elle pas. C'est ce que je veux dire. Ah, tu aimes quand on te frappe. Ah oui, j'aime ça. J'ai un petit côté sadomaso, assumé. Il y aura certaines parties coupées au montage. Oh non, on va rien couper. Bon, bah, ça va être long. Ça va être très long. Alors, le fond de teint. Le fond de teint, t'as 50 sortes. Mon avis, ce que tu m'as mis là, c'est ce que tu utilises le plus souvent. Ouais, d'accord, c'est mon petit panier qui est en bas, en règle générale. Conceal and Define, bah ouais, bah c'est le fond de teint. La petite éponge qu'elle a préalablement mouillée, et je sais que tu mets deux pompes. Ça ne vient pas l'ouvrir. Ah, ça se dévisse. Ah oui, ok. Ah, oh, oui. C'est pas des pompes. C'est pas des pompes. Bon, bah, on va mettre un peu partout. Je crois que tu en mets plus que ça. Moi, je sais bien, je mets pas grand chose, mais toi, tu mets plus que moi. Hmm? Moi, non. Bah si. Si peu. Allez. Tape. Sans mes borniers, ça serait sympa. Je vais finir avec des bleus. Non, je vais se faire doucement quand même. Bah quand même, ouais. Disons que ça serait sympa. J'ai envie de revenir quand même, quoi. Merde. Bah oui, merde. T'as vu les beaux masques que j'ai achetés pour notre live? Oui, Frankenstein et un zombie, c'est ça? Dracula, c'est ça. Moi, ce qui paraît, Dracula, il pue, donc c'est toi qui auras Dracula. Ça, apparemment, c'est à la fleur de Périlla, et on m'a dit que ça puait, le Périlla. C'est quoi, là? On dirait du... Attends, excuse-moi, on dirait Périnée. Bah si, oui, bah, après, Périnée, ça n'a pas vraiment d'odeur, donc... Ah non, vraiment que ce sent le pipi. Bah voilà. Pas. C'est pas les. Ah non, c'est le colza, les fleurs jaunes là qui puent. Ah oui, c'est ça. Bon, alors tes yeux, tu les fais pas. Moi je les fais au fond de teint. Bon, c'est pas maintenant on va faire un. Tu disais. Ça dépend comment tu te maquilles. Oui, évidemment. Mais bon, évite de me faire dire des conneries parce que si je pleure, tout va couler. Aïe, n'oublie pas, surtout, t'as peut-être raté un petit peu le tympan là. Quoi ? Bah, tu viens de me foutre, de presque m'enfoncer l'éponge dans l'oreille, t'as peut-être oublié le tympan. J'étais en train de me dire qu'est-ce que j'ai oublié. Oh, j'ai peur, les amis. Et c'est que le début. Il y a encore rien. Regarde-toi là, comme ça je te vois mieux. Oh là, le nez ça va pas. Mais en même temps, le nez, t'inquiète, hein, y a rien qui tient. Enfin... Ok. On va dire que ça a l'air. Ah, oh, mais en fait, je me suis même pas coiffée, j'ai vraiment une tête de déterré. La coiffure, je fais pas. Ah, hein. Oh, merde. Eh oh. Alors, tu pensais ne rien avoir à faire aujourd'hui. Bah, concealer.
Concealer. Non, ça c'est ta base. Ah non, c'est pour les yeux. T'as du concealer là-dedans? Bah ouais, forcément. C'est celui-là, oui. C'est le couloir pompe. Alors ça, t'en mets beaucoup. À la truelle. Tu vais faire un V. Vous voyez pas sa tête, hein. Mais ça vous dit. Je suis pas rassurée, en fait. Du moment que tu me crèves pas un œil. Ça devrait aller. Alors, t'en mets toujours là parce que t'as une petite trace de lunettes. Ici. Je regarde ces vidéos quand même. Hein. Oui, on a remarqué que t'étais totalement fan. Hein. Une petite moustache. Une petite moustache. Voilà. Et je crois que c'est tout. Je mets sur tes imperfections, j'en vois pas, donc voilà. Je sais. Allez, tape. Pas trop. Important, c'est le blendage. Comme j'ai dit une fois sur mes vidéos. Faut blender. Et tu m'as même pas ramené des petits fours de ta dégustation, là. J'ai tout bouffé. Bah oui. Et après, ça se plaint de son IMC, tu sais. Je t'ai mort de rire. Je suis en train de me dire, mais elle comprend pas pourquoi elle est en IMC trop haut, là. Faut vraiment tout lui expliquer, la pauvre. Hein. J'ai remarqué, enfin, je sais pas si t'as déjà maquillé quelqu'un, toi. Mm-hmm. Non, voilà, bah si. T'as tendance à vouloir faire les mêmes mimiques. Si, j'ai fait quelques mariés. Hein. Ouais. Ouais. Bon, des gens que je connaissais, ou qui connaissaient quelqu'un que je connaissais, quoi, tu vois. Ouais. Non, parce que si on sait, c'est un peu délicat quand même, quoi. Bah, comme j'ai déjà dit, je pourrais, hein, mais comme j'ai pas la formation de base qui pourrait dire que je suis professionnelle, je peux pas le faire. Mm-hmm. Bon, si on sait à son compte, par les temps qui courent, laisse tomber. Oh, surtout maman. Ouais, clair. Surtout qu'il n'y a pas énormément de mariages en ce moment. T'es clair. Oui, mais ça, c'est normal. C'est les éclairages qui font ça. Bon, ok. Allez. C'est vrai, je suis pas très bronzée de base. Hein. Non, mais là, t'es vachement clair. Alors, la poudre. La poudre, bah, t'en as 50 000. Non, là dans le panier, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une? C'est celle-là, je crois. Ah, voilà. À Too Faced. Alors, pinceau poudre, t'en as 50 000, moi j'en ai qu'un. On va prendre le plus gros parce qu'il est beau. Ça a Elsa Makeup. Ouais? Mm-hmm. Oh. Est-ce que c'est agréable de se maquiller? Mm-hmm. Pour l'instant. Pour l'instant? Tant que je ressemble à peu près à quelque chose, ça va. Bon. Pour l'instant, je ne peux pas trop me planter. Non, quoique. Voilà. C'est poudré, pas trop. Ah, mais tu poudres aussi fort le bas des yeux, toi. Comme ça. Non, prends du. Je sais que tu poudres. Je sais pas si c'est du tout le bon geste que je fais. Mais je sais que tu poudres vachement le bas des yeux. Tu me dis pas si je fais bien ou pas. Ah, c'est le but, ma pauvre. Alors, le bronzer. Le bronzer. Je crois que j'ai tout ouvrir hein, pour être sûr. Non, ça, c'est de la lighter. Normalement, bronzer et lighter, tu devrais pas trop confondre. On y est. Alors, bronzer. Tu vas me plaire bien. Et c'est un pH. BH cosmétique, les gars. Une vraie youtubeuse beauté. Donc oui, je tousse et j'ai le nez qui coule, hein, mais je ne suis plus contagieuse, j'avais une bronchite. Hein. Je n'ai pas le Covid. D'où je suis là, parce que sinon je serais pas venue. Hein. Voilà. Alors, bronzer. Effectivement. Alors... Moi j'aime en 3, hein. Fais. Et là, c'est pas mal. C'est pas mal. Tu dis ça pour me faire plaisir? Bah, non, pas du tout. C'est pas mon genre. Non, c'est vrai.
On dit que je suis méchante aussi, donc... Non, dis, tu es... Sans tact. Voilà. Non, pas sans tact, t'es franche. Voilà. Dieu. Oui, bah sans tact aussi. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, j'en mettrais pas plus, personnellement. Toi, t'en mettrais peut-être plus, mais moi, je n'en mets pas plus. C'est pas moi qui me maquille aujourd'hui. Alors, du blush. Le blush... Tu m'as dit que t'en avais là aussi. Ouais, parce que là, vous voyez pas. Hein. Enfin, si, vous le savez certainement, mais... Deuxième étagère de la petite étagère, là, ou encore dans le tiroir, ici. Alors, on va prendre là-dedans, parce que alors, si c'est là, ça veut dire que tu ne les utilises pas beaucoup. Ouais, exactement. Donc... Elle a tout compris. Bon, celui-là. Faut qu'elle hure. On est jolie. Je l'ai utilisé qu'une fois, sûr. Bah voilà, ce sera la deuxième fois. Qu'est-ce que tu prends quand on bat une blush? Oh, je suis en train d'utiliser tous ces pinceaux, moi. C'est rien, tu l'as l'air. Alors, oui. Il y en a dessus. Alors, oui, tu mets sur la tempe. Comme ça, vous voyez si elle a retenu les cours que je lui ai donnés la dernière fois. Hein, qui se passaient sur sa chaîne d'ailleurs. Hein. Je vous remets le teint ici, hein, sur sa chaîne. Ça va. Moi, j'en mets pas plus. Non, voilà. Ce sera un maquillage léger, je pense. Quoique pour les yeux, je. Léger? Mmh, pour les yeux, non. Pour pas qu'elle me foire, parce qu'après on tourne une prochaine vidéo. Donc si vous la voyez un petit peu bizarre dans la prochaine vidéo, vous aurez compris que c'était pas ma faute, c'est la sienne. Alors, et je suis à la lettre. Les sourcils. Je t'ai mis le crayon ici, et puis t'as des goupillons, t'en as, je sais pas où. Si t'en as un qui doit traîner là. Il y en a sûrement là. Donc le crayon, c'est un essence. Là, ça commence à faire peur. Tu sais ce que j'ai oublié? Des lunettes. Bon, bah écoute, ça fait encore plus peur. Non, ça va, je vois, mais j'aurais dû quand même prendre des lunettes. Mais mamie est un peu miro. Bah, en fait, c'est pour pouvoir de près. J'ai... Enfin, si oui, je bah, mamie est miro, c'est bien ce que je dis. Bon, là, par contre, on va rire parce que si vous me suivez, je fais très rarement mes sourcils. Mais tu fais très rarement tes sourcils, rarement ton teint, rarement tes yeux. Tu fais tout rarement de toute façon, hein, à part bouffer. Bah, c'est pas faux. Non. J'ai été gentille, je les ai coupés un peu hier, mes sourcils. Parce que comme moi, j'ai fait au savon, sinon ça faisait un peu... Attends, hein, bouge pas. Je vais pas aller très loin. Non. Sais. Comment je fais? Et taper sur ça, il y en a deux. Oui, le tout c'est de le faire exactement pareil. Ah. Ce sera comme l'étape de l'eyeliner, à mon avis, tu vas rigoler. Tu vas vraiment me mettre de l'eyeliner? Tu l'as pas marqué, eyeliner? J'ai marqué les yeux, je crois, juste. T'as marqué liner. Ah, j'ai marqué liner. Merde. Bon. Elle fait des têtes cheloues. Moi, ça me paraît pas mal. C'est léger, c'est frais, c'est guilleret. Je suis fraîche. Ouf, fraîche. Quoi c'est. Oh, allez. Fixateur. Oh là là, ma tête, ça va pas du tout, ma chérie. Hein? Ma tête, ça va pas du tout. Pourquoi? Mais je suis complètement décoiffée. Ah, moi, je n'y suis pas. Je suis complètement pas coiffée. Je suis pour rien. Les cheveux, ne me demandez rien. Attention. T'es prête? Mm-hmm. C'est vrai qu'il sent bon, celui-là. Il sent bon. Hein. Il sent super bon. Il sent la coco. Oh, oui, il sent super bon. Et là, j'attends l'autre, qui est à la pastèque. Oh, oui. Ah oui, toi, t'aimes bien ça. L'odeur de la pastèque, c'est une de mes odeurs favorites. On avait dit l'highlighter, je l'ai vu passer, il est là. C'est quoi celui-là? X Révolution, le Echo. Echo. Est-ce que c'est grave si je prends le même que le blush? Je ne sais pas, moi. À votre avis? Non. On s'en fout un peu. On s'en fout un peu, c'est sur ma tronche. Mais non, mais ça va fondre avec le blush, puis voilà. C'est une astuce que je vous donne. Écoutez-la. Écoutez-la professionnelle. Alors je vais passer un peu pour
que ça fasse. Ancienne technique. Dis tout de suite que je suis vieille. Mais non, mais c'est les techniques, tu sais, quand tu débutes et que t'as pas beaucoup de pinceaux. Voilà. Chose que je fais encore d'ailleurs quand j'ai pas envie de laver trop de pinceaux. Ah si, ça se voit. C'est léger, mais ça se voit. Ça va, c'est frais, c'est distingué, c'est élégant. C'est élégant. C'est élégant. Ok. Ok. Le teint est fait, les gars. Je suis trop contente, j'ai fait un teint. Un teint. Oh, je suis trop contente. Si t'en fais deux, ça fait un teint. Ça fait un teint. C'est joli. Ah, oui. Alors, les yeux. La base. Tu l'as eu en main tout à l'heure, t'as dit, ah bah non, c'est pas le concealer, c'est la base. Mais moi, je retiens pas. Cut crease. Donc, c'est celui-là. Oh, c'est fort liquide, non? C'est la base. Ça t'en est beaucoup. Moi j'en mets très peu, mais toi t'en mets beaucoup. Mais après moi je mets plein de couleurs, toi tu mets du nude donc. Oui. Avec les doigts? Merde, je sais plus. Allez. Je crois pas. Tape, tape, tape. Et là j'ai les yeux fermés donc je vois pas sa tête mais j'imagine. T'imagines avec la langue d'or, tu sais, comme les gosses qui dessinent là. C'était à peu près ça. Comme les gosses de 4 ans qui font des uns pour pas qu'on dépasse. Ça peut les étonner. Oh, oh. Mais non. Voilà. C'est parfait. Oh, je t'en ai mis beaucoup, je trouve. Ah bon? Bah. Oh, je t'en ai vraiment mis beaucoup. Ça bave partout. Ça bave. Tu vas avoir de la base jusque sur le menton. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que ça bave. Attends, je vais tapoter avec... Elle aime bien me tapoter, là, vous avez remarqué. Tape, tape, tape. Bon, je retapote un petit coup avec... voilà. Je pense que là, on est bon. Non, il y a quelque chose qui va pas là. Là, je le vois. Mm. Ouais, bon. On dirait que c'est bon. Bon. Alors, là, c'est l'étape des phares. Mais, moi, j'ai envie de te faire un smoky. Hein. J'ai envie de te faire un smoky. Je sais que quand tu fais un smoky, il faut faire une base de crayon. Pas forcément. Pas forcément, tu peux, mais pas forcément. T'as pas un jumbo? Si, quelque part. Et vous avez vu que, comme j'utilise des termes incroyables. Dumbo. Dumbo. Et non Dumbo. Pas la même. Non Dumbo. Donc, à savoir que je sais pas le faire sur moi. Bah, je me dis que. Je sers de cobaye. Voilà. Si j'arrive à le faire sur toi. Ah, c'est quelque chose de. Ouais, ça me semblait, hein, je le vois pas. Non, c'est bon, c'est parti. Si j'arrive à le faire sur toi, ça veut dire que j'arriverai peut-être à le reproduire un jour sur moi. Allez, cobaye, tais-toi. Bon, là, faut pas que ce soit forcément précis. Tu sais que j'ai regardé un tuto de Marion Caméléon. Exprès pour faire un smoky. Ah bah en plus, tu t'attaques pas à n'importe qui non plus dès le départ, toi. Je m'attaque à la queen. Marion, si tu nous vois. Non, elle passe pas sur ma chaîne, tu sais. Ouais. En même temps, je t'ai déjà dit, je crois qu'elle me prend pour une psychopathe. Fais peur en fait. Je crois que je fais peur. Je suis trop fan. Je suis une vraie groupie. Comme toi avec moi en fait. Voilà. Mais je suis tous les jours à gratter à sa porte. Ouais. Quand est-ce qu'on fait une vidéo? Donne-moi un café. Elle me coûte cher en café. Et encore, je la nourris pas. Si, tu m'as déjà nourri. Ah oui, c'est vrai. Ah. Donc, comme je vous ai dit, le blendage. C'est important. Very important. Alors, qu'est-ce qu'on en dit? Elle est morte de rire alors qu'elle a juste mis le crayon. Hein. Je suis fière de moi, juste avec ça.
Ben voilà, et c'est parti, mascara, et on a fini. Alors, on va mettre du fard. J'ai envie de te faire un smoky un peu spécial. Alors, on va partir sur un smoky. Un smoky dans les tons noirs et mauve. On va jouer comme tout, avec une petite touche de rose. Aïe. Ça va, t'es toujours rassurée? Oui. D'accord. Attends, je me mouche. Je vais éviter de pleurer. Mais tu vas voir, tu vas être parfaite. Magnifique. Oui, bon, après, t'as de la chance qu'il y a déjà une base très parfaite dessous. Bah voilà, tu ne sauras pas être autre chose que jolie. Oh, ça serait senti. Bah oui. Qui est menteuse, hein? Non, pas du tout. Tu cherches quoi? Je réfléchis. Ah. Je ne cherche rien. J'essaye de trouver l'inspiration. Comme Picasso. Oh, ça fait un peu peur, ça, parce que Picasso, c'est pas très... Enfin, si, c'était très beau, ce qu'il faisait, mais on va dire que si je reprenais un truc Picasso, ça va pas... Ok. On va d'abord faire la couleur de transition. Je suis trop contente. Une vraie pro. Oui. Ok. Je prends de la couleur. Très explicite. Vous verrez bien. Voilà. Bon. Alors, on va d'abord... J'ai un peu peur de foirer tout. Je vais foirer, hein. Ça c'est sûr. Quoique, arrête d'être pessimiste. Elle s'encourage elle-même. Mais bien sûr, faut croire en ce qu'on fait. Je sais pas, je m'attendais pas à ce résultat-là, mais bon. Quoique, ça peut être vachement joli. Attends. J'ai déjà dit, on ne juge pas un maquillage tant que le mascara n'est pas posé. Ah, ok. Le mascara peut tout arranger, tu crois? Ben, ça finalise tout. Ouais. Par contre, j'ai bavé, là. Elle bave avec des forts. Ah, comment corriger mon erreur? Ouh, qu'est-ce que je fais? Voilà. J'étale. J'étale, et puis ça part. En fait, j'aurais dû mettre un... Un scotch. Ça se fait encore, ça, mais le scotch. Oui, c'est, on le voit de moins en moins, mais moi j'aime encore bien le faire de temps en temps. Alors, je vais prendre un pinceau plus plat. Chut. C'était un pinceau. Comment ça, des pinceaux? Oh, oui, je suis désolée, je te prends un peu. En fait, on pourrait faire tout avec un seul pinceau. Pas vraiment. Ça dépend. Je mélange les couleurs. Moi j'évite d'en utiliser en fait pour pas devoir les laver. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Je crois que j'aurais tout avec celle-là. La couleur movie, vous la voyez pas, mais elle est très jolie. Je donne des indications. Elle est belle, cette couleur. Elle a pris la Unconditional Love des Forever Flawless. Dis-moi. Je vous mets le swatch de make-up ici, comme ça vous voyez les couleurs, parce qu'elle vous montre pas. Non, moi je vous montre. Et encore quoi? Vous voulez pas que je fasse du boulot à votre place? Ouais. Oh, mais s'il te plaît, si tu tousses, je ne sais plus quoi faire. Moi. Me fait pas rire alors que j'ai un reste de bronchite. Elle a vraiment la langue dehors, vous avez vu? Je te vois dans le miroir en fait. Mais c'est pas mal! Alors, on va reprendre celui-là pour flouter les deux couleurs. Prochaine vidéo chez DJ, ça sera un tuto make-up. Comment faire un smokey eyes? Oui. Peut-être pas tout de suite. Eh ben, crois pas que tu vas venir t'entraîner sur moi tous les jours. Hein, Oh merde. Entraîne toujours Laura. Vous aurez ri. Oh punaise. Oh, ça me rappelle la vidéo que j'avais fait avec lui, où je l'avais maquillé en drag queen. Ça date, hein. Oh, ça date, hein. C'est très vieux. Oh, c'était à mourir de rire. Et après, c'était déguisé en Madame de Fontenay. Oh, je me souviens pas. Ah, oh, mais c'est vieux, c'est vieux, super mais... vieux. Après, il y a tellement de conneries sur ta jeune qu'on sait plus laquelle on a regardé ou pas. Mais t'en as pas mal en plus à écrire, hein. Oui, bah, quand même pas mal. Mais là, j'ai bavé. Tu ne me dis rien. Je te dis que moi, je te disais rien.
On va étaler. Et on va étaler, hein. On va en mettre un peu plus. Oh, mais pourquoi? Oh, je suis déçue. Bon, le rat de cible, j'ai pas fait du tout. Mais ça, j'arrive pas à faire chez moi, alors si c'est sur toi, je vais... Alors... Ça, c'est... Taisez-vous, hein, parce que... Concentration... Moi, j'ai l'impression que j'en mets toujours trop. Ils ont rien dit, arrête de les envoyer. Ouais. J'ai toujours peur que ça fasse panda, quoi. Oh, j'ai l'impression que t'as pris un cocard. Mais merde. Ça partait tellement bien. Ah. J'essaie de me rassurer un peu. Alors, qu'est-ce qui va pas? On va mettre un petit coin de lumière, là. Parce que ça va tout arranger, moi, je te le dis. Allez, un coin de lumière. Ah, pas souvent en plus. Ah bah tiens, ça c'est de la lumière. Allez, on se dans la lumière. Bah voilà, voilà, voilà. Tout de suite. Ça change tout. Si vous ferez un make-up, mettez un coin de lumière et puis voilà. Personne ne verra, ne n'y verra que du feu. C'est magnifique. Allez, magnifique. Moi je pense que c'est pas mal. Je sais pas pourquoi elle me se marre. Parce que je suis vraiment pas rassurée de... Je peux essuyer mon pinceau là-dessus? Oui, c'est fait pour. Parfait. Je vais juste essayer de... De m'arracher la paupière? Bah non, mais de... Limiter un peu les dégâts. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas. Bon, tu me diras après, hein. En toute sincérité, je compte sur toi. Le liner. Oh, le liner, je sais pas le mettre sur moi. J'arriverai jamais à le mettre sur toi. Et si on mettait juste un peu de noir de crayon dans la muqueuse? Est-ce que le liner est vraiment important? Je sais pas, c'est toi qui vois, c'est ton make-up, c'est pas le mien. Bah, j'ai peur de foirer tout, quoi. Déjà que c'est pas... T'es pas glorieux. Alors, comment je fais pour te mettre dans la muqueuse sans te percer l'œil? C'est rassurant. Ça me fait peur. Bon, j'ai déjà envie d'être en bas. Ça me fait peur. Ouais. Oh. Je te jure, j'ai peur de se faire mal. Ah, essaye en haut alors. Ah oui, t'as bonne idée. Y'a rien qui se met. Non, j'ai trop peur. Bon, on met pas de crayon, c'est pas grave. Non, je m'en mets pas de crayon, j'ai trop peur de lui faire mal. Je voudrais pas lui faire mal. Le mascara. Mascara, t'en as beaucoup. Toi, t'en as plusieurs. J'en ai pas tant que ça. Non, t'en as pas tant que ça. On va mettre le sexy volume. Avec un maquillage sexy comme je l'ai fait, c'est magnifique. Là aussi, j'ai jamais mis de mascara à quelqu'un. Mais bon. J'ai peur. Mais je vais en mettre sur ta paupière. Elle me dit pas, on met pas de mascara non plus. Hein. Non. Pas de liner, pas de crayon. Je veux en mettre, ça, y a pas de problème. Mais, je vais en mettre sur ta paupière. Tu veux que je regarde vers le bas? Ah, parfait. Voilà. Il y a quelque chose dessus. J'ai l'impression que je mets rien. Si, mais je le sens. Bon, je vais aller petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. J'ai pas mis grand-chose, hein. Mais je pense que c'est pas mal. Sûr, ça va. Allez. Bon, je pense que ça va être le plus beau maquillage de ta chaîne. Il y a pas. Allez-y, dites-le. Faut pas être timide. Ben voilà. Ah, le rouge à lèvres. Ah, rouge à lèvres. Alors. Un gloss là en dessous, les glosses en dessous. Les glosses là, ah ben voilà. Je crois qu'on va partir sur un gloss. Ça c'est. Le bleu c'est un gloss. Mm-hmm. T'es sérieux, ça c'est du gloss ça? Ça vient de chez Action ça en plus, c'est un Mickey, c'est la marque Mickey. Merde alors. Bah c'est juste des. Oui tu vois pas, tu vois, oui, c'est pas. Ça va pas être bleu. Ça
ça va donner un léger... Ah ouais. C'est chercheux, non? Surtout que j'adore la glace au glacé. Oh, ça colle. Surtout ça, c'est bien. Bah voilà, on y est. Alors, j'ai quand même quelque chose que j'attends. C'est le verdict. Le verdict? T'es sûr? Bah oui, j'aimerais quand même bien savoir ce qu'est-ce que j'ai foiré. Alors, parce que j'ai sûrement foiré au moins un truc. Alors, le teint, c'est bien. Moi, j'aurais juste mis un peu plus de blush et de l'highlighter, forcément, mais c'est en cohérence avec toi. D'accord. C'est léger. Bah, bah. Les sourcils, ça va. Merci. Voilà. Ils sont. Ça fait pas des grosses chenilles toutes dégueulasses, donc ça va. Frère, très doux, ça a foiré. Les yeux. Alors, déjà, t'as mis un lumineux dans le creux de paupière. Exact. On met un mat. Voilà. Et t'as fait des taches. T'as pas été jusqu'au ras de cils. Ah merde. Et puis, bon, pas de crayon et presque pas de mascara, quoi. Ouais. Ok. Donc les yeux sont foirés, quoi. En gros. C'est pas très précis aussi, faut bien le dire. Aussi. Il manque de précision. C'est un petit peu bavé que t'as bien étalé par après. Ouais. Sinon, allez, globalement, je vais te mettre un 7 sur 10. C'est pas mal. C'est pas mal. Ah, je suis contente. C'est pas mal. Ah, je suis contente. Le rendu est joli, l'association de couleurs est jolie. Bon, comme je dis, il manque juste du crayon, hein, forcément, surtout pour un smoky. Il faut bien noircir le ras des cils et l'intérieur des muqueuses. D'accord. Après, à part le fait que tu aies mis le lumineux en oui. transition. Là, je me suis foirée. Voilà. La couleur de transition, elle était foirée. Ouais. T'aurais fait l'inverse. Ça aurait pas été vraiment un smoky, mais ça aurait été plus joli. D'accord. Eh ben, j'en apprends. Voilà. Ah bah je suis contente de moi. Et vous, dites-nous en commentaire quelle note vous lui donneriez pour le make-up complet. Je vous montre quand même de plus près les yeux. Ça vaut le coup d'œil. Je vais peut-être zoomer un petit ch'touille. Ouais. Voilà. Mais franchement, l'association est pas mal, hein. Et bah donc voilà, donc n'oubliez pas de nous dire en commentaire quelle note vous allez donner à DJ. Moi, je te donne un beau 7 quand même. Voilà. Merci. Voilà. Attention, parce que je vais aller voir tous les commentaires et puis... On va vérifier. Je vais voir si tout le monde m'a noté. Hein. Voilà. S'il y a des notes négatives, attention les gars, ça va chier. Hein. Moi, je vous préviens. Donc, on espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on s'est bien amusés. Ouais, bah ouais. Nous, on va vous en tourner une autre que vous aurez... Je pense que celle-ci, je la sortirai mercredi. D'accord. Et que l'autre, je la mettrai samedi prochain. D'accord. Voilà. Donc, vous aurez encore une vidéo avec DJ samedi prochain. Donc si vous la voyez dans ce même état, pardon. J'aurai cette... C'est ma faute. Ce magnifique look. Mais je vous le rappellerai pour la semaine prochaine. Donc voilà. Donc en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis bisous bisous. Et des yeux aussi. Ciao.